Ils sont 10 jeunes réalisateurs burkinabés sélectionnés à l'issue d'un appel à projet pour faire partie de la première cohorte du projet de la résidence Ouagatoukou. L'objectif de l'initiative portée par Djigiya Productions est la plateforme culturelle des écoles et universités du Burkina Faso en abrégé PCUBF et de contribuer au renforcement des capacités de jeunes créateurs en les accompagnant dans la réalisation de leurs premier ou deuxième court-métrage professionnel. Ateliers et masterclass sur les genres et les métiers techniques du cinéma, ateliers de scénario et résidence d'écriture, pitch et networking, production et post-production sont les différentes étapes du projet qui s'étend de mars à novembre 2023. J'aimerais de pouvoir renforcer les capacités de ces jeunes-là qui ont déjà écrit leur court-métrage, de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent écrire ce court-métrage-là et de pouvoir mettre sur le marché des œuvres cinématographiques de qualité supérieure qui puissent compétir dans les différentes compétitions nationales et aussi internationales. D'abord, au départ, nous avons eu un atelier sur l'histoire même du cinéma, comment est-ce que le cinéma est né. Et après ça, on a appris aussi sur les prises de vue, les techniques de cadrage. Il y a la structure du scénario. Voilà. C'est un module qui est entièrement dédié à l'écriture du scénario. Voilà comment est-ce que tu peux partir de l'idée et jusqu'à la réalisation et à la production de ce film. Donc déjà, comment construire l'histoire, comment la rendre plus belle, la rendre plus artistique, plus attractive, plus originale. Issiaka Konaté est un réalisateur burkinabé. Il fait partie, avec d'autres formateurs, des intervenants mobilisés pour l'atelier organisé dans le cadre du projet du 1er au 12 mai 2023 à l'espace culturel Napambeogo. À l'occasion, il a partagé avec les incubés sa passion pour le storytelling, son expertise et ses astuces pour la création d'histoires originales. On va de façon progressive. On commence par l'heure. Montrer la structure d'un scénario, les différents éléments qui composent un scénario. Vous voyez, c'est une écriture qui est très technique, parce que chacun peut s'imaginer, je peux écrire une histoire, c'est tout bon, ce qui n'est pas faux. Mais maintenant, écrire un scénario relève d'une spécialité. Il y a des techniques, il y a une technique, il y a des outils, voilà. Comme un mécanicien qui répare une moteur, des clés, des outils pour différentes parties. Écrire un scénario, le scénariste aussi, a des outils qu'on appelle les outils dramatiques, voilà, pour mieux écrire une histoire. Que les incubés retournent vraiment outillés et plus enrichis, ça c'est la satisfaction d'un formateur, d'un enseignant. Pour les incubés, l'initiative devrait leur permettre d'avoir un film complet tout en se familiarisant avec les différentes étapes de sa production. C'est le cas d'Aboubié Yasmine Delia Ido. Mon projet de film s'intitule « Un tour à vélo » qui parle d'une jeune fille qui vit dans un foyer polygamique et après des disputes entre ses mères, elle décide de sortir pour faire un tour pour s'aérer l'esprit. Malheureusement, en cours de route, il y aura un orage et elle va s'attraper dans une maison en construction. Là, elle tombe sur un groupe de bandits qui la font subir un viol collectif. Sortir de ce viol pour le briser, elle n'a qu'une seule envie de dénoncer. Mais tout autour d'elle, tout le monde, les hommes, les femmes, l'empêchent de le faire pour préserver sa soi-disant dignité. Donc, c'est un peu ce combat de cette fille-là que je raconte dans. Oui, il est en cours et je puis vous dire que ce n'est pas la version finale. Vous pourrez voir tout un autre produit si jamais il est produit. Parce qu'avec les ateliers, avec les nouvelles connaissances qu'on acquiert, il y a beaucoup d'idées qui se mettent. Actuellement, nous sommes en train de réécrire encore le scénario. Le projet de résidence Ouagatoukou est cofinancé par le Fonds de développement culturel et touristique, FDCT, à travers le programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture, PAICGC, avec l'appui de l'Union européenne.